L'objectif de mon post-doctorat est de proposer des nouveaux services de mobilité au sein d'un quartier. Est-ce que les nouveaux services de mobilité, tels que le Uber, le covoiturage ou les transports à la demande, peuvent contribuer à la mobilité durable? Est-ce que ces services de mobilité peuvent permettre de ralentir le réchauffement climatique en réduisant les émissions de CO2 ou d'améliorer la qualité de l'air en réduisant les émissions des polluants? Dans mes derniers travaux de recherche, on peut évoquer la question du covoiturage. Plus l'offre du covoiturage est importante, plus il y a de la congestion routière générant plus d'émissions. Le covoiturage peut donc être un moyen très efficace à condition d'être bien ciblé et de bien l'accompagner. Nos sujets viseront à aider les aménageurs, les promoteurs ou les constructeurs à concevoir des quartiers plus durables en termes des impacts de la mobilité. En jouant sur les localisations des différentes activités, on va pouvoir modifier les itinéraires de déplacement de chaque personne, ainsi modifier leur mode de déplacement et réduire les impacts environnementaux.